bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock 80, l'émission du rock des années 80, c'était pas compliqué à deviner. Sur RCJ le mardi de 23h à minuit, ce soir on va comme d'habitude écouter essentiellement du rock américain, mais on va se balader un petit peu partout avec bien sûr des morceaux d'il y a une quarantaine d'années, mais aussi un morceau tout neuf parce que c'est une artiste britannique qui fait comme dans les années 80, et donc ça c'est merveilleux. Mais on va commencer par ce qui aurait pu être un tube à l'époque, c'est de 1984, un groupe du nord de la France qui en était alors à son deuxième album et son premier album studio, et après je vous raconterai l'histoire étonnante de son bassiste. Le groupe s'appelle Stox, l'album c'était Éclat de Rock, et c'est en français, c'est pas si fréquent dans cette émission, elle me voit pas. Les gens du Nord ont dans les yeux une guitare qui joue bien, c'est celle de Christophe Marquilly. Elle me voit pas, c'était en 1984, une carrière en dents de scie pour ce groupe qui a mis une dizaine d'années, voire une vingtaine peut-être, pour faire son troisième album qui s'appelait justement 3. Et la petite histoire incroyable du bassiste, c'est que ce jeune homme, qui n'est maintenant plus très jeune, il est devenu entre-temps directeur de l'Olympia, il a arrêté la musique. Donc sacrée carrière quand même pour ce musicien. Et puis on parlait d'une fille qui voit pas un garçon, ça nous rappelle quand même certaines traditions
tradition hein, de la chanson française, puisque c'était un petit peu proche d'une forme de variété rock, mine de rien. Johnny, hein, je la croise tous les matins, Eddie Mitchell, Couleur Mentalo, voilà. Il y a plein d'histoires comme ça, où c'est l'histoire d'un gars qui croise une fille qui, elle, ne le voit pas. Il y en a une qu'on voit par contre beaucoup, parce qu'elle met tout en valeur sur ses pochettes, sur tous ses visuels, sur les réseaux sociaux. C'est l'artiste britannique Chez Kane, une jeune chanteuse, qui joue, qui fait des albums comme dans les années 80. Donc elle a tout à fait sa place ici. Son deuxième album, qui s'appelle Power Zone, vient de sortir, vraiment, il y a quelques semaines. On écoute The Things You Do When You're Young in Love. I saw you on the town last night. Looks like you're living all right, and I don't know if you do. But sometimes I still think of you.
Extrait de l'album Power Zone qui vient de sortir sur le label italien Frontier. C'est pratiquement le seul aujourd'hui dans le monde qui diffuse ce genre de musique et qui le fait depuis une bonne vingtaine d'années. On va rester dans les chanteuses avec Lita Ford en 1988. C'est l'époque où elle cherchait en fait à avoir une image un peu glamour et elle a trouvé l'homme qu'il fallait pour ça, c'est le producteur Mike Chapman. Il lui a composé des morceaux, il lui a fait un son très très velouté. Il l'a relooké et justement, c'est un album qui s'est tout simplement intitulé Lita, qui a bien marché puisqu'il a réussi à obtenir deux top 20 aux États-Unis, c'est-à-dire deux morceaux classés dans les 20 meilleurs aux États-Unis dans cette année 1988. Et un titre qui est bien représentatif de cette composition et de la métamorphose de la demoiselle, qui s'appelle donc Lita Ford, Blueberry. La chanteuse et guitariste américaine d'origine anglaise d'ailleurs, Lita Ford, qui était originaire des Runaways, dont est sortie Joan Jett. Joan Jett qui est bien plus connue que Lita Ford et qui est celle qui a réussi la meilleure carrière solo. Donc pépinière de talent et assez typique de ce qui se passait dans les années 70 où on était entre la pop et le punk. Et on aura des groupes comme ça dans Rock 80. Je vous rappelle que sur RCJ, c'est le mardi à 23h. On va au Canada parce qu'il faut toujours y aller à un moment ou à un autre. Hein, quand on évoque le rock mélodique, l'AOR, le hard FM des années 80, Loverboy, leur album Wildside, c'était le dernier
avant qu'il le split une première fois en 1987, Don't Let Go. Mr. Reno, yes, the Jaguar your girlfriend ordered, it's in. With the new paint, it comes to £42,000 and we'll send our man around in the morning. $25. Shall we put that on your account, ma'am? Always a pleasure to do business with you. Great! She's so fine, she's so eccentric, and what she buys must be authentic. I paid her to keep her down. I go crazy when she's not around. Yeah, yeah. She's got me in the palm of her hand, but please understand, no one ever made me feel quite like a man she does. Oh yeah. You see that little girl of mine? That's where my money goes. That's where my money goes. And I work hard. He works hard. I work overtime. It's no good, 'cause I can't save a dime. When I have it, I gotta spend it on my baby, 'cause I'm so dependent, yeah, on her love, yeah. My friends tell me I'm out of my mind, but it's not a crime. I'll do anything to keep that girl all mine. Ooh, yeah, all mine. She's satisfied and it shows. That's where my money goes. That's where my money. Au revoir l'argent et bonjour au bonheur. Non, on va pas valider ça, mais c'est ce qu'il dit à la fin. Le chanteur Mike Reno de Loverboy, et je me suis trompé, je vous ai donné le nom de l'album et pas le nom du morceau, c'était Don't Let Go, il me semble bien, voilà. Wildside, c'était un petit peu le chant du cygne pour Loverboy qui allait se reformer 10 ans après, mais dans des conditions très différentes. Et à cette époque, le Canada était vraiment... En tête de ligne, en tête d'affiche de tout ce genre de rock mélodique qui triomphait aux États-Unis dans les meilleures ventes et aussi dans les stades et les salles de concert un peu plus modestes.
Et on va retrouver le producteur de ce disque, Bruce Fairbairn, lui aussi canadien, de Vancouver, je crois bien, un peu plus tard, parce que forcément, il en a fait des pelletés d'albums comme ça. On va quand même se rendre compte maintenant qu'en Angleterre aussi, on essayait de se rapprocher de ce style, en jouant une musique finalement pleine d'orchestration avec des claviers partout. C'était d'autant plus surprenant que pour le troisième album du groupe Fastway, groupe britannique fondé par l'ex-guitariste de Motorhead quand même, c'est pas rien, Fast Eddie Clarke. Et il avait fait deux premiers albums très zeppeliniens, vraiment du bon rock'n'roll, hard rock. Et là, c'est vraiment goinfré de claviers, il y en a partout. Moi, je trouve ça magnifique, c'est toute une atmosphère. Il attendait que ça rugisse, et ben, il a attendu. Waiting for the Rose, c'est le nom de l'album. Et c'est le deuxième morceau de cet album qu'on va écouter. Il s'appelle Kill Me With Your Heart. Somewhere,
que de violons, mais c'était en fait des synthés. Ils n'avaient pas les moyens de se payer un orchestre symphonique. C'était la notion d'arrangement qui prévalait dans un certain genre. On appelait ça d'ailleurs à un moment le pomp rock, le rock pompeux, hein, terme quand même très dépréciatif, mais qui était le genre préféré des Américains à la fin des années 70. Alors, dans ce modèle des morceaux avec quand même pas mal de petites guitares bien cachées derrière les synthés et un bon motif de clavier bien entraînant, ben, il y avait aussi des précédents et même peut-être des valeurs étalons, c'était Van Halen. Van Halen avec l'album 1984 qui avait déjà mis dans Jump à l'honneur les claviers de façon très surprenante pour les fans. Et puis même en changeant de chanteur, bah, il refaisait un petit peu quelque chose d'approchant, toujours aussi bien fait, toujours aussi entraînant. Un morceau que j'adore, y compris d'ailleurs dans son solo de guitare. Ça s'appelle Dreams et c'est extrait de l'album 5150. We'll be right back.
Van Halen en 1986 sur Rock 80, RCJ 94.8. Toutes les émissions déjà diffusées sont sur le podcast. Vous cherchez Rock 80, RCJ, vous allez les trouver. Et on va aller maintenant à Chicago pour un morceau un petit peu atypique, un peu plus lent. On peut dire que c'est une balade. Et un groupe qui lui-même a eu un problème d'image toute sa carrière, parce que cette carrière, elle n'est pas terminée, même si il ne reste plus que le bassiste d'origine. C'était un mélange en fait d'Aerosmith, de hard rock assez typique, et des Beatles, notamment de John Lennon. On s'en rend compte dans la voix de Donny V, le chanteur. Assez étonnant, alors en France, évidemment, totalement inconnu. Enough's Enough sur leur tout premier album de 1989, I Could Never Be Without You. Retour en Angleterre dans Rock 80, toujours sur RCJ, de 23h à minuit le mardi. Un groupe qui a eu la bonne idée de faire une reprise d'un morceau qui, à ce moment-là, était totalement inconnu, puisque lui-même était un morceau américain d'un groupe qui n'avait pas énormément de public à ce moment-là, en tout cas dans le monde entier. Le morceau s'appelle Never Wanna Lose Ya. Le groupe original, c'était New England. Et ce qu'on va entendre, c'est un groupe anglais qui s'appelle Bronze. Alors, fait rigolo, c'est qu'ils se sont fait signer sur une maison de disques qui s'appelait Bronze. Donc, c'est Bronze chez Bronze. Et malheureusement pour eux, ça n'a pas tellement marché. Ensuite, le chanteur Max Bacon a fait un groupe avec deux excellents guitaristes, Steve Howe et Steve Hackett, quand même, mine de rien. Donc, lui, il a bien réussi à se recaser. Mais le groupe Bronze lui-même, après cet album de 1983, c'était terminé. Et donc, ce morceau, c'est une reprise.
Mais évidemment, pour le grand public, ça paraissait neuf. Et vous allez voir, c'est tout à fait entraînant comme mélodie, bien aussi bien plaqué au niveau de la batterie, de la guitare. Never Wanna Lose Ya. Le Canada, on vous en parlait tout à l'heure avec ce producteur mirifique, Bruce Fernbern. Il s'occupait de Loverboy qu'on a écouté en début d'émission, mais aussi de Honeymoon Suite, autre groupe canadien qui lui venait de Toronto, il me semble. Et sur l'album The Big Prize, il y avait un petit tube, Feel It Again, qui a eu son petit succès dans les radios du monde entier, parce qu'en 1985, eh bien, on diffusait ce genre de musique un peu partout. Et pour la petite histoire, le guitariste, qui est par ailleurs le compositeur principal du groupe, a gagné un concours qui lui a permis de composer un spot de pub pour une marque de cola. Bon, vous allez me dire qu'il y a plus prestigieux, mais ça a dû bien lui permettre de gagner sa vie et d'acheter plein de guitares. Extrait donc de The Big Prize, c'était le deuxième album du groupe Lost and Found.
Il me semble qu'on peut traduire ça par objet trouvé, hein, Lost and Found, Honeymoon Suite 1985, et un morceau maintenant qui va faire plaisir à tous les rock critiques français de cette époque, qui aimaient tellement détester ce groupe. Il venait de Chicago, il s'appelle Styx, parce qu'ils existent toujours. Hein, alors, je vous passe les changements de personnel, les procès, etc., avec le chanteur notamment originel. Et donc Styx, voilà, on aimait bien leur taper dessus, ils en ont pris plein la gueule pendant des années, surtout en Europe. Et c'était justement ce dont on parlait tout à l'heure, du pomp rock, puisqu'il y avait beaucoup d'arrangements, beaucoup de claviers, beaucoup de chœurs, avec une base de hard rock et de rock progressif quand même. Et vous allez voir que dans ce morceau, il y a un peu tout ça. C'est une co-composition du chanteur Dennis DeYoung et du guitariste qui n'est pas de sa famille et qui s'appelle quand même James Young. C'est extrait de Paradise Theater, une espèce de concept album sur une salle de concert pendant 30 ans qui ouvre et qui finit par fermer. C'est sorti en 1980 et ça s'appelle Snowblind. Show me scares me so. Thought
of love. But now the lines are clear enough. Life's not pretty, even though I try so hard to make it so. Mornings are such cold distress. How did I ever Imaginez le scandale en 1980 chez les bien-pensants, un groupe qui sait jouer de son instrument, qui sait chanter juste, faire des harmonies et des arrangements. Mais c'est un pur scandale, ce n'est pas du rock. C'était vraiment un débat à l'époque, alors qu'on peut très bien écouter les Sex Pistols, mais aussi Pink Floyd. C'est pas un, totalement incompatible, surtout aujourd'hui. On se quitte avec un morceau qui est ce qu'on peut appeler une étoile filante, puisque cet album, c'était le seul de ce groupe, qui a donc fait un seul album de toute sa carrière en 1982. On a cru que ça marcherait pour eux, parce que l'album est très bon, parce que c'est sur une grande maison de disques, à l'époque c'était la Warner, et puis en plus,
le groupe Riggs, puisque c'est d'eux dont on parle, ils avaient quand même réussi à passer deux morceaux qui étaient inédits par rapport à cet album dans la musique du film Heavy Metal, c'est-à-dire Metal Hurlant en France. Et c'est un film qui a eu beaucoup de succès, un film d'animation que vous retrouverez assez facilement d'ailleurs en DVD ou en Blu-ray, etc. Et parmi les qualités de ce film, dont l'animation n'était pas forcément révolutionnaire, c'était de la science-fiction typée justement Metal Hurlant, le magazine, eh bien, il y avait la bande-son, qui était essentiellement du hard rock, mais pas seulement. Et il y avait des morceaux de Riggs, et c'est comme ça que moi, forcément, j'en avais entendu parler. Et j'ai redécouvert très très récemment cet album, qui n'a pas de titre. Et je vous propose de le découvrir avec ce morceau, One Night Affairs. Just fine.
Quelle aventure ce groupe Riggs, extrait de l'album Riggs, 1982, un seul album, et depuis, oui, il a été réédité, je crois, de façon assez confidentielle. Ravi de pouvoir vous faire découvrir ce groupe, parce que c'est aussi un des credos de cette émission Rock 80 qui se termine, et que vous retrouverez, j'espère, la semaine prochaine, à 23h. Toutes les émissions déjà diffusées, c'est-à-dire les cinq précédentes, sont sur le site de RCJ. C'est simple, hein, RCJ, Rock 80, vous tombez dessus et vous pouvez toutes les réécouter. Je remercie beaucoup Daniel qui était à la technique. Je vous laisse donc sur la fréquence juive 94.8 jusqu'au bout de la nuit si vous voulez. On se donne rendez-vous très bientôt. Au revoir.